Dans le cadre de la fête de la musique, la ville étant salée avec le Théâtre des Sables y invite Azote le mardi 21 juin 2022 à partir de 18h jusqu'à 23h, un spectacle musical au complexe sportif du centenaire. Il y aura l'association Écho des Fleurs, le groupe des jumeaux Gilbert Kondassami, Tiana, Blouzanou, Tilamonge, Nutracine, Sati et Kevja, Jade, Saint-Océan et Couleur Créole. Une programmation rythmée et variée y attend Azote. Rebonjour à toutes. Alors, toujours dans le cadre de la fête de la musique, nous continuer, fait connaître Azote, fait monter Azote un petit peu aussi, le bon artiste que va passer au stade du centenaire. Donc, avec nous, Nana, le groupe Couleur Créole, Sébastien et Samuel, les présents, que l'a fait à nous l'honneur d'accepter l'invitation. Bonjour Azote 2, comment il est? Bonjour, il est là. Tranquille. Merci, bon. Piquant. Radio Piquant, invite à nous les belles. Merci à Zot d'avoir accepté. C'est la première fois pour nous, hein. Ouais, tout à fait. D'aller une radio, d'essayer de promouvoir notre musique, quoi. Musique, voilà, ouais. Mais j'espère que ça ne sera pas le dernier. Alors, Couleur Créole, quel genre de musique as-tu fait? Pop, voilà. Pop créole. Pop créole, ouais. Voilà. Sébastien, il fait des textes. Plusieurs, voilà. Moi, j'ai fait un petit peu d'arrangement avec Bastien et je suis tout là. Nous, c'est une nouvelle formule pour la fête de la musique que nous sommes en train de mettre ça en expérimentation et nous allons voir qu'il donne ce soir, quoi. Et le groupe existe depuis quand, ça? Oh, moi, je dirais ça fait une vingtaine d'années au moins. C'était, au départ, c'était un petit groupe familial, amical et tout le monde est venu se greffer dessus au fur et à mesure, quoi. Hein. Donc moi, on a continué un petit peu la sauce. Il y en a qui est parti, il y en a qui est revenu. Et il ne m'a jamais largué, comme il dit. C'était... Ouais, les gars, toujours là, en fait. Bien sûr. Hein, parce que les gars, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est que nous continuions à faire des répétitions comme nous avions fait. Voilà, commencé, ouais. Fait 5 ans de ça. Hein. Ah, oui, il oui. A fait 2-3 ans, nous l'a arrêté, cette formule-là. Mm-hmm. Parce qu'il n'est pas facile, tous les joueurs retrouver notre marmaille, notre travail, tout ça. Et là, depuis un mois que nous avons vu la publication de Facebook là, pour la fête de la musique étant salée, ben, nous avons décidé de nous mettre à nous un peu de défi. Quoi. Voilà, nous, oui. On a fait un morceau, on a dit bon, il plaît à nous, donc nous continuons. Alors, Sébastien, donc, c'est où le chanteur, on va dire le leader du groupe? Oui, voilà. Ouais, enfin, auteur-compositeur. Voilà, auteur-compositeur, interprète. Donc, combien de textes à peu près, Nana, là? Au total, moi, on doit avoir au moins près d'une vingtaine de textes. Mmh. Voilà, sur des musiques assez variées. Hein. Et au départ, c'était travaillé de manière acoustique. Et aujourd'hui, ben, nous trouvons un nouveau feeling avec, on va dire, un nouveau style. Mmh. On va voir ce soir quand on va larguer la sauce. Donc, c'est le nouveau style là, c'est le pop créole, le nouveau style. En quelque sorte, voilà. Mmh. En quelque sorte. Et avant, il était plus quel style? C'était plus instrumental, on va dire. Mmh. Oui, plus acoustique. Plus acoustique. Pop créole, plus acoustique. Voilà. Et là, nous donne pop créole vraiment plus. Dans, rythme. Voilà, en mode rythme. Des nouveaux sons, plus électroniques, voilà. Plus, on va dire, moderne, quoi. Voilà. Mmh. Et Samuel, ça m'en a un truc. Ça, il reste devant le micro, comme ça, tout le monde y entend. D'accord, haut, d'accord, oui. Sinon, on ne laissera pas ton house, là. Et donc, du coup, ben, à soir, ça propose ben, le nouveau Couleur Créole, avec combien de musiciens, là, Nana, en tout? Ben, nous, il y a 4. Mmh. L'idée, c'est moi, Adi Bastien, voilà. Mmh. Allons, comme nous, on a des amis, qui ne fait pas partie du groupe, hein. On a un ami qui habite à côté, c'est un voisin, que j'ai déjà dans plusieurs groupes, que lui vraiment lui mène vraiment la guitare distorsion vraiment super bien. Petit italien, petit. Voilà, Jacques. Mm. Donc, on a proposé à lui de venir. Lui-même, lui avait dit à nous, quand il a entendu à nous répéter de venir avec nous, sachant que l'ancien guitariste, lui, il a fait peur à lui le projet. Et les vrai, nous aussi, il fait peur à nous un peu. Hein. Mm. Et mon petit garçon, comme il joue la batterie, eh ben, m'a proposé de venir aussi, de venir taper un peu de batterie, là, comme ce serait un son de scène. Donc lui, depuis longtemps, lui fait un peu de batterie et un peu de percussion. Donc, nous, ça mène le set comme ça. Alors, Jacques, pour ça, tu ne connais pas, mais invite à Zotaga d'aller dans le clip Tilamonge. Il y en a marre. Donc, le guitariste, c'est Jacques. Eh bien, ça même ça. Ça même, c'est les voisins, c'est on va dire, une petite famille, quoi. Hein. Mmh. Guitariste talentueux, nous va dire. Alors, que ça y inspire à Zot, un petit peu, Zot influence, que, en général, c'est quoi Zot influence musicale? Nous aimons tout, nous aimons la musique en général. Hein. Mmh. Voilà. Mais pour vous faites votre pop créole, l'inspiration vient un petit peu de ça. Bon,
pour moi, particulièrement des groupes comme Oussanou Sava, Baster, m'a resté quand même sur une parole traditionnelle. J'ai un causement, causement créole, quoi. Hein. Et après, on va dire, une musique que là, là beaucoup intéresse à moi, c'est un peu comme celle d'Alain Peter, ça leur souvient bien. C'est une musique un peu originale et voilà, on cherche toujours à comment dire, à démarrer, à progresser, à avancer, quoi. Hein. C'est un peu ça aussi la musique, hein, d'ailleurs. Hein. Bastien, il a un super talent de, d'écriture. Et moi, depuis que ma rencontre à lui, m'avait remarqué ça, il me dit l'écriture est vraiment très imagée. Et moi, m'a rarement entendu ce genre de chant sur la radio aujourd'hui. Il m'a dit c'est pour ça que Bastien il parle de ces groupes-là. Parce que c'est aujourd'hui, ils trouvent la musique, ils savent dans des textes un petit peu plus, je sais pas, désuets, quoi. Alors que là, c'est des textes qui ont une force, une puissance, et ils parlent vraiment de sujets très forts. Alors, c'est quel genre de sujets tu abordes dans ce texte, ah, ou surtout comme l'auteur, compositeur? On parle de liberté, on parle la vie, de la vie, voilà. La tradition. La tradition, voilà, exactement. Tout ça, quoi, hein, tout ce qui entoure nous un peu dans notre quotidien de tous les jours, hein, de toute façon. Hein, on voit un peu, comme je disais, c'est d'imager... par la parole, essaye parler de tout ça, hein, c'est pas évident, et après, essaye d'avoir un petit flow, un bon flow musical, et surtout prendre du plaisir avant tout, c'est ça la musique. Hein. C'est aussi pas vouloir dénoncer quoi que ce soit, c'est presque raconter une histoire, quoi, nous va dire. Hein. C'est un peu ça pour moi, et surtout, moi, m'a grandi beaucoup là-dedans, quoi, hein, dans ce monde un peu musical, comme il dit, moi, depuis l'âge de 10 ans, on a une guitare avec moi, quoi. Hein. Donc, m'a traversé la 40 ans, manana. Donc, ça fait 30 ans que je marche avec ce petit morceau de bois et ses cordes. Donc, l'inspiration, elle est toujours, toujours dans la tête, on va dire. Alors, vous allez jouer un petit morceau pour nous, juste avant de rentrer. T'arrêtes dehors là-bas, dans la nature, ça, là, la vie, le petit cadre de piquant là, là-dedans. Donc, c'est quoi le morceau que vous allez jouer là? Parle-nous un petit peu de ce morceau-là et puis nous va garder un extrait après. Ben, c'est le titre de ce morceau, c'est La vie. Justement, il parlait un peu de, justement, de, c'est le feeling highway, c'est se sentir bien, un peu malgré les difficultés, malgré tout ce qui arrive, essayer de mener à lui comme il faut, et c'est jamais évident, quoi, de toute façon, hein, la vie reste toujours une grande question, on va dire. Voilà. Hein. Alors, bien vite à Zot, si tu ne connais pas, découvre Couleur Créole, avec ce petit morceau que je l'ai fait en acoustique, juste dans la cour piquant. La vie. On revient tout de suite. Son goût, chaque monde, son lot quotidien. Ricola sans doute, pas tout seul le chemin. Highway, feeling highway. Un billet si ton route, si pas, t'apprends le train. Highway, feeling highway. Jali, si vous l'accomplissez, faut vivre à l'île. La vie qui mène à l'île, qui l'accomplissez, qui j'y jali. Merci. Voilà, apprécier les affaires, Gaïa, faites la musique, Gaïa, faites la musique de toutes, avec Saint-Leu TV, Tchèbo. La vie, j'espère que vous l'avez bien apprécié, Couleur Créole, nous continuons avec ça justement. Samuel, qu'est-ce que pense de la fête de la musique? Qu'est-ce que ça y représente la fête de la musique pour vous? Ah ben, c'est la journée pour les amateurs de musique, les passionnés de musique,
et surtout ceux qui font la musique aussi. Mais Mme Dallon te dit, moi, pas besoin de faire la musique pour aimer la musique, quoi. Ça, c'est pour moi la musique, l'énergie, les fonds dedans. Et moi, personnellement, c'est ma passion, quoi. Mais je fais un petit peu de tous les instruments, j'essaye, quoi, hein, à mon niveau. Et chaque instrument que j'essaye que rentre dedans, ben, m'y prend vraiment du plaisir. Et là, la partie, je fais des nouveaux instruments, c'est des machines, quoi. Donc, c'est ça notre nouveau délire, quoi, là, en ce moment. C'est aller dans ce monde des machines aussi. Ouais, ouais. Parce que depuis le temps que Bastien t'a dit, par exemple, il fait 20 ans, j'ai guitare, moi aussi. Ne jamais intéressé à nous vraiment à toutes ces machines-là. Et là, c'était le hasard, moi, dans cette quête-là, toujours de rechercher d'autres instruments, d'autres sonorités. Pour tout ça pour qu'il y ait du plaisir, quoi. Parce que chaque fois qu'il mène un petit son nouveau ou pas habitué de faire, quel que soit l'instrument, quelle que soit la machine, vous prenez plaisir intense. Et c'est là vraiment tout le truc pour nous. Ah, ouais, ouais. Et nous l'arrive là, par hasard. Nous, c'est vraiment. C'est pas ça que nous te recherchons, c'est vraiment notre passion première à jouer, à chercher. Et maintenant, on est très content d'avoir arrivé là, parce que c'est une première pour nous. Et on est bien content de faire ça avec Bastien. Ah oui, bah oui. Pareil. Alors, la fête en musique, à soir, ça fait un passage de combien de temps à peu près? Une demi-heure, je pense. Il est égal à peu près combien de morceaux ça? 6 morceaux, à peu près. Mmh. Voilà. Et sera seulement. Le nouveau couleur créole ou bien que des nouveaux morceaux, voilà, oui. Que des nouveaux. Nous avons fait des anciens morceaux avec le reste de la bande que nous n'avons pas oublié. D'ailleurs, nous avons prévenu Azet tout de suite. On a dit bon, les gars, là, nous on mène un projet. Les pas pour ça qu'ils oublient Azet. Et voilà, fait vraiment un test. Et maintenant, on a plusieurs formules. Nous rendons compte que nous peut faire vraiment comme la petite formule, ça d'écouter guitare, djembé, comme ça. Nous peut jouer une demi-heure comme ça. Et après, bon, ben, ça, c'est ce que nous fait tous les jours. Ouais. Et voilà, on essaye même vraiment une autre qualité de son. Alors, le projet, est-ce que c'est un projet d'album, un projet de sortie, de voyage? Ben, finalement, on aimerait bien, parce que quand on a joué Théâtre des Sables, on regarde des bandes. Et il est tellement agréable d'avoir des bandes, un support pour faire écouter aux autres. Et nous-mêmes nous rendons compte qu'ils ramènent à nous à une époque aussi. Parce que là, cette époque-là, comme si nous guérons y a dedans, ah, oui. Mais c'était déjà une autre époque. Et tout ça, quand on met un support, il est vrai que la sorte comme un CD, mais nous, on a les bandes, donc nous partage. Et l'idée, pourquoi pas, d'une sacrée une page et éventuellement nous diffuser nos morceaux pour faire plaisir au monde, quoi. Alors, la page Facebook? Nous, nous la point, justement. Vous la point encore. Mais comme vous la parlez à nous de ça. Oui, oui. Nous disons à nous que maintenant vous jouez avec le téléphone, nous gagnons tout piloter, nous mettre des trois bandes dessus, nous mettre 2-3 vidéos. Au moins les gens ils voient que. Fait qu'on est à zone sur les réseaux. Voilà. Parce que ben, comme est là, vu la modernité, tout cela, donc bon peu réseau maintenant, vous êtes artiste obligé un petit peu, mais c'est à vazot de ce réseau-là. YouTube, Facebook, tout ça dans la délire. Ben, azote, ben, misote azote, ben, bonne continuation dans ces attifs. Et puis, bon, faites la musique. Un gaillard prestation pour soi. Mais rappelle aussi que nous aura Écho des Fleurs, Tiana, Blues à nous, Tilamonge, Nutracine, Saint-Océan et Zot. Ça sera quelle heure, reprécise un petit coup? À nous, 22h, Diane. 22h. Donc, ça, tu veux voir couleur créole, 22h. Sinon, ça, il commence 18h. Dormez à ces autres, nous retrouvons à autres peut-être bientôt. Pour présenter un nouveau projet, un nouveau album, nous ne connaissons pas. Merci Radio Piquant. Ah oui. Merci, merci pour tout. Bonne journée, bonne fête la musique. On se retrouve à nous. Au revoir. Son goût, chaque monde, son lot quotidien. Ricola sans doute, pas tout seul le chemin. Highway, feeling highway. Un billet sur ton route, si pas, t'apprends le train. Highway.
highway.